Daral est une plateforme informatique. C'est un projet qui vise à introduire l'outil informatique au service de l'élevage pour lutter contre le problème du vol de bétail, mais aussi aider les éleveurs à mieux gérer la santé de leurs bêtes. Manam problème élevage c'est hande jamanu gonado manam tigi tigi buri won problème hande ko walde beta woni nguya buri jangnu aynabe sabu fagudundu lu mujji tigi kono a fagoto jawdi ha boya ndi dewa rek ni ndi majja koroda andu hudundi woni woni ci tawi fere ne ganana hore mande waawi yeltin itta den don cedele. Quand on volait un mouton ou bien une vache, on avait besoin de se déplacer pour des kilomètres pour aller déclarer ça à la police ou bien à la gendarmerie. Mais avec ce projet-là, c'est vous entrez juste dans le logiciel et puis c'est vite fait, quoi, hein? C'est ça. Une fonctionnalité a généré un registre national des éleveurs et leurs certaines qui permet de faire des alertes précoces pour avertir les éleveurs d'une catastrophe épizootique ou bien une campagne de vaccination ou bien même d'autres informations liées à l'élevage, par exemple une épizootie qui s'est déclarée dans une localité donnée, on pourra faire une notification qui seront reçues par les autorités de tutelle, mais aussi alerter les éleveurs de ce phénomène. Si un éleveur vient, on prend sa carte d'identité. On met son nom, son prénom, le numéro de carte d'identité, date et lieu de naissance. Et après, on prend sa photo, la photo de l'éleveur. On lui demande le nombre de bœufs qu'il a. Suite à ça, on prend le serveur de Daral pour enregistrer l'appel de l'éleveur dans le serveur. Il y a une autre fonctionnalité qu'on appelle certaine qui permet de rajouter ou de soustraire des animaux d'un éleveur. Après cette fonctionnalité aussi, on a la fonctionnalité qu'on appelle transaction, qui permet de gérer la transaction entre les éleveurs et à la fois aussi permettre la traçabilité du cheptel. Il y a l'autre fonctionnalité qu'on appelle médiathèque qui permet d'aider les éleveurs à les sensibiliser sur les maladies et aussi les former à mieux appréhender ce que c'est que les maladies par des vidéos qui seront téléchargées sous film documentaire de toutes sortes de maladies mais qui seront accessibles à tous les éleveurs car il sera commenté en langue locale, ce qui permet à l'accessibilité de l'information par les éleveurs. On a fait ça parce qu'on a étudié, on a eu la chance d'être à l'université. Bon, on a utilisé les techniques de communication et d'information et on a vraiment beaucoup de connaissances par rapport à ça. Et maintenant là, on est en train de revenir plus ou moins au terroir pour appliquer ces techniques-là, les associer un peu avec ce qui se faisait traditionnellement pour un peu aspirer au développement. Et l'autre aspect aussi, ça permet au moins d'impliquer les populations de la base, par exemple des jeunes comme nous ou autres jeunes encore qui vont s'intéresser à ces trucs-là. Pratiquement chacun de nous a un téléphone portable. Et celui qui a un téléphone portable actuellement au Sénégal, nécessairement tu t'identifies. Et alors si tu parviens à t'identifier à travers un téléphone portable, pourquoi pas aussi ne pas identifier les animaux que tu disposes ou bien les biens que tu disposes. Et là, c'est un avantage encore.
Pour la sensibilisation, on est confronté à un peu de problèmes aussi parce que la technologie, ça dépasse vraiment la compréhension de nos parents analphabètes. Mais on parvient toujours à les convaincre, à les faire comprendre par des projections et qu'ils savent que c'est quelque chose de faisable. Les élèves tous, ils apprécient le projet de Daral, car ils rencontrent beaucoup de problèmes concernant le vol de bétail, les maladies des animaux et pour distribuer des aliments pour le bétail. Mais le problème qu'on rencontre est de les éleveurs n'aiment pas dire le nombre total de bêtes qu'ils ont. Parce que nos parents disent que si tu donnes le nombre exact, ça diminue les bêtes. Daral si tawi condition aji didi bi min jii ko hala ko min nani en si tawi non ligora min en badi yaga si tawi dum wadi resir inshallah rabbi ma volde betayo usto ko jegi si tawi ko temedre wujitino par zemen wala par lewru in gas si wala gasne usto ko jegi min en jogi yakar no feek La plateforme Daral, c'est une plateforme qui est née d'une idée que j'ai eue lors d'une formation en informatique, c'était en 2005. Et au cours de la formation, j'ai eu à lire un texte anglais qui disait que l'informatique c'est un outil qui peut contribuer à toutes sortes de développements. Et en ce moment, je me suis dit, en tant que fils d'éleveur, en tant que fils agriculteur aussi, je me suis dit, il va falloir maintenant, avant d'aller loin, de chercher à apporter des solutions aux problèmes de nos parents.